Salut cher trader rentable, j'espère que tu as la forme, j'espère que tout se passe bien pour toi sur les marchés si tu as commencé à trader, voilà, que tu fais des trades de l'espace, des trades hyper rentables, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Dans cette vidéo, on va s'intéresser pas à la partie gagnante comme on a déjà pu voir, mais à la partie perdante. Voilà, je vais te partager 5 astuces pour gérer un trade perdant. Juste avant qu'on voit tout ça ensemble, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu vas pouvoir rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Tu vas pouvoir recevoir tout simplement des vidéos qui vont traiter de bourse et de trading. Tout ça chaque semaine. Voilà, sur ce, c'est parti. Donc on se retrouve devant le logiciel que j'aime bien utiliser, c'est la deuxième fois que j'utilise dans les vidéos et je pense que je vais continuer à l'utiliser pour faire voilà, des schémas un peu plus visuels. Je pense que c'est un peu plus parlant, n'hésite pas à me le dire si tu aimes ce type de vidéo, ce type de format, je continuerai à en faire évidemment. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, effectivement je vais te partager 5 astuces pour savoir comment gérer un trade perdant. On a nos trades gagnants, on a nos trades perdants, mais comment les gérer concrètement? Donc en fait, la première astuce que j'ai envie de te partager, c'est tout simplement d'adopter le bon mental. Le mental, la psychologie, c'est l'une des choses les plus importantes en trading. Beaucoup de débutants en bourse l'oublient. Beaucoup de débutants en trading n'ont même pas connaissance en fait. Mais le mental, la psychologie, c'est vraiment voilà, la part la plus importante de ce qui va faire ta réussite en bourse. Donc vraiment, ne néglige pas ce point. Tout simplement, la psychologie peut te faire perdre énormément de trades gagnants et te faire passer d'un trader rentable à un trader perdant. Alors, comment dans un trade perdant, tu vas pouvoir adopter le bon mental? Tout simplement, ne pas agir par impulsivité. Tu sais, des fois, voilà, je te montre ma souris juste ici, mais on a tous envie, parce qu'il y a de l'adrénaline quand on voit les cours de bourse, quand on voit les cours, tu sais, qui changent comme ça rapidement. C'est un peu, j'ai envie de mettre des gros guillemets, hein, comme un jeu, même si ce ne l'est pas, enfin, dans mon esprit, dans ma stratégie d'investissement, ce n'est absolument pas un jeu, mais ça peut laisser penser que le trading est un jeu. Donc, tout simplement, le cerveau humain va donner envie d'agir par impulsivité parce qu'on va croire qu'il y a une opportunité sur le marché, parce que peut-être on attend tout simplement depuis quelques minutes, depuis quelques heures, depuis quelques jours. Pour ceux qui font du swing trading, si tu fais du swing trading, on attend la bonne opportunité et on en a marre. Donc concrètement, on a envie de rentrer en position. Et en fait, dans les trades perdants, c'est exactement la même chose. Si tu vois que tu as fait 2-3 trades perdants, tu vas te dire « Ok, j'ai fait des trades perdants, donc ce que j'ai envie de faire, c'est de rattraper ces trades perdants. » Et donc, ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas cliquer pour ouvrir une position parce que tu en as eu marre concrètement d'attendre. Donc, tu vas ouvrir cette position. Et en fait, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Et ce trade que tu auras ouvert qui ne sera basé sur aucune stratégie, sur aucune technique, ce sera aussi un trade perdant. Alors peut-être que tu vas le gagner, tant mieux pour toi, mais ce sera de la chance. Voilà, et c'est pas comme ça qu'on gagne à long terme. Donc j'ai envie de dire, voilà, n'agis pas par impulsivité. L'autre chose à penser, c'est aussi, et là je vais le rajouter juste ici, c'est de ne pas paniquer. Je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées en fait après avoir fait quelques trades perdants. Voilà, quand on fait des trades perdants, c'est vrai que forcément quand on investit en bourse, ça représente de l'argent. Donc cet argent-là, inconsciemment dans notre cerveau, il va dire « Ok, si j'ouvre une position, si elle est gagnante, tant mieux, je suis content. » Mais si jamais je perds la position, ça m'embête un peu. Voilà. Donc les gens paniquent. Peut-être que ça a déjà arrivé de vouloir rouvrir une position après quelques trades perdants, malheureusement. Et tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que tu es bloqué par le fait de dire tout simplement, ton cerveau te dit « Hey, tu as perdu avant, donc si tu rouvres une position, tu risques de perdre. » Et effectivement, tu risques de perdre. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Il faut avoir confiance en sa stratégie. Et c'est grâce, en fait, tout simplement au troisième petit facteur que j'ai envie de te mettre là, c'est de suivre son plan de trading. En suivant ton plan de trading, tu vas pouvoir adopter le bon mental. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais le plan de trading, c'est vraiment un outil extraordinaire qui va pouvoir t'aider tout simplement à construire un schéma qui va t'aider à cadrer en fait ton trading. Et c'est grâce à ce plan de trading, grâce à ces trois petits principes, que ton mental sera vraiment dans les meilleures conditions possibles. Le problème souvent concernant le mental avec la gestion d'un trade perdant, c'est que forcément, trade perdant rime avec négativité. C'est pas positif. Donc, on s'intériorise, tu vois. Je suis un peu comme ça, quand on a un trade perdant, on tourne sur nous-mêmes, on n'est pas bien, quoi. Voilà. On a envie de se cacher, de se mettre dans un coin. Bref, on n'est pas à l'aise parce qu'on n'a pas envie d'encaisser une perte. C'est quand même embêtant parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Donc, vraiment, le gros facteur qui va t'aider à progresser dans la gestion de tes trades,
c'est d'adopter le bon mental. C'est vraiment le premier gros principe, et je pèse mes mots, j'insiste dessus pour que vraiment ça rentre dans ton cerveau. Ces trois principes peuvent te paraître simples, mais c'est dans la simplicité qu'on arrive à progresser. Donc ça m'amène là à te parler du deuxième point, qui est de savoir quand rentrer en position pour peut-être éviter de continuer à faire ces traits perdants. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas forcément à l'aise avec les entrées en position, on l'a vu peut-être par l'impulsivité, tu n'as peut-être pas confiance en ta stratégie, parce que effectivement, tu fais des traits perdants, donc ça ne t'incite pas à avoir confiance en ta stratégie. Alors, moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà reprendre point par point, de regarder ma vidéo sur la stratégie de trading, comment se créer une véritable stratégie de trading rentable, gagnante, solide et durable, qui va te permettre de progresser. Et ça passe par savoir aussi quand rentrer en position. Donc, rentrer en position, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que à l'heure actuelle, tu rentres dans la bonne tendance, dans la tendance de fond? Peut-être que tu fais de la contre-tendance et t'en as pas conscience, mais effectivement, si le marché est en tendance haussière et que toi, tu es en tendance que tu vends tout simplement et que tu es en contre-tendance, ou inversement en tendance baissière et toi que tu achètes, eh bien, tu es dans le sens inverse de la masse en fait. Imagine-toi, j'avais déjà fait cet exemple-là et j'aime bien le faire, imagine-toi dans la rue, tu es dans une petite rue, et tu as un flux de personnes énorme qui vient face à toi. Instinctivement, si ce flux de personnes vient contre toi et que toi, tu essayes de passer à travers eux, ça va être compliqué. Maintenant, si tu te retournes et que tu vas dans le sens de la tendance, dans le sens des personnes, c'est exactement pareil. Imagine-toi un autre exemple, en train de nager dans l'eau, tu as un fort courant, tu es dans une rivière, tu nages, il y a énormément de courant contre toi, c'est exactement la même chose. Il va être plus difficile pour toi de remonter le courant que de te retourner et d'être dans le sens du courant. Et là, ça va être beaucoup plus facile. C'est un peu la même chose avec le trading, avec la bourse. Si tu es dans le sens de la tendance, tu vas avoir plus de trades gagnants que si tu es en contre-tendance, parce que tu ne vas pas dans le même sens que la majorité des investisseurs. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Après, tu peux avoir le deuxième point, qui est de choisir le bon moment. Peut-être que là, en fait, à l'heure actuelle, tu ne sais pas rentrer au bon moment. Tu rentres peut-être après, je dirais, la dynamique. Et ça, c'est embêtant parce que tu rentres un peu comme les débutants, j'ai envie de dire, qui ne savent pas que les professionnels sont déjà rentrés sur les marchés. Et quand il y a une dynamique qui se met en place, toi, tu rentres dessus, mais en fait, tu rentres trop tard. Et en fait, la dynamique est déjà créée et le marché corrige ou se retourne. Et toi, tu encaisses une perte. Donc ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être revoir certains aspects comme la tendance de fond. Vois si, effectivement, en analysant tes trades, les trades perdants, tu étais dans la bonne tendance. Si ce n'est pas le cas, tu as juste qu'à corriger ça. Et est-ce que tu rentres au bon moment? Est-ce que tu n'aurais pas pu rentrer à un meilleur moment? Alors, on a vu la rentre en position. Maintenant, on va voir quand sortir de position. Parce qu'un trade, effectivement, on rentre, mais il faut bien en sortir pour encaisser ses gains ou ses pertes. Alors là, sortir de position, c'est un peu différent. Parce que lors d'un trade perdant, ce qu'il faut se dire, c'est peut-être que tu as attendu trop longtemps. Peut-être que en fait, il y a eu un objectif qui a été atteint par le marché. Et toi, tu as attendu. Et en fait, le problème, c'est que le marché a corrigé. C'est souvent ce qui arrive chez les débutants, même chez les amateurs, mais qui perdent, qui ne sont pas rentables. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'objectif de sortie. Et cet objectif de sortie, donc ça, je vais te le noter. Cet objectif de sortie, il est déterminé par un niveau clé technique qui va être travaillé par le marché. C'est pas un niveau clé que tu vas te dire je veux sortir à tel prix parce que j'ai fait tant de gains. J'ai un ami à moi qui est très proche et qui me dit moi je sors de position dès que je fais 10% de gains. Écoute, c'est pas mal, ces 10% de gains, c'est très intéressant. Maintenant, pour moi, c'est pas la bonne stratégie parce qu'il aurait pu prendre beaucoup plus de gains, mais il se base sur son feeling, il se base pas sur ce qu'il voit sur le graphique et comment fonctionne le marché concrètement, comment travaille le prix. Et c'est ça qui fait réellement la différence, c'est comment travaille le prix. Quels sont les niveaux clés qui sont travaillés par le marché? Et peut-être que mon ami pourrait faire 15%, 20% de gains, doubler son gain, alors qu'il sort trop tôt. Eh bien, c'est exactement la même chose avec un trade perdant. Peut-être que tu sors trop tard, ou peut-être que tu sors trop tôt, le marché corrige, tu vas être en légère perte, mais il va remonter parce que tu es dans la bonne tendance, et encore une fois, parce que tu sais quand rentrer en position. Donc, moi, ce que je te conseille pour bien gérer un trade perdant et corriger et éviter d'avoir de nombreux trades perdants, c'est tout simplement d'avoir un objectif clair dans ta tête. Savoir exactement le moment où tu vas sortir. Et si ce n'est pas clair à l'heure actuelle, pour le moment, là, quand tu regardes cette vidéo, le fait de simplement
avoir un objectif technique, ça va te permettre de carrément clarifier. Ça va être, on va dire, le clair. Ça va être clair dans ta tête. Voilà. Donc, savoir qu'en sortir, c'est le troisième point, la troisième astuce pour gérer un trade perdant. Le quatrième point, la quatrième astuce que j'ai envie de te partager, c'est d'analyser tes pertes. Alors, l'analyse, c'est vraiment un point essentiel pour réussir parce qu'on est vraiment dans des choses concrètes. On investit de manière intelligente et pas au feeling comme ça. Et analyser pourquoi il y a eu une perte, c'est vraiment essentiel. Alors, comment on peut mettre en place ça? Tout simplement grâce à un journal de trading. Ce journal de trading, je l'ai déjà expliqué si tu as vu de nombreuses vidéos que j'ai pu faire. Mais ce journal de trading, c'est tout simplement un fichier qui va t'aider à répertorier tes gains, tes pertes et par le biais de mettre des annotations comme des petits commentaires sur chaque position que tu as pu prendre sur chaque trade, ça va t'aider tout simplement à analyser, à te dire ok, est-ce que ça correspond mon journal de trading, est-ce qu'il correspond à mon plan de trading. Donc tout est lié, tu vois, journal de trading est vraiment lié au plan de trading car dans l'analyse, ça te permettra tout simplement de savoir comment ne pas reproduire ce trade perdant que tu as pu faire. Donc moi, ce que je te conseille vraiment là, c'est de trouver des points communs à tes trades perdants. Ce qui est vrai, c'est qu'on fait tous souvent la même erreur classique qui peut plomber nos résultats. Donc, on va forcément trouver, voilà, quelque chose de commun entre les trades perdants. Donc, regarde, analyse tes trades perdants et peut-être que, comme je disais, tu n'es pas rentré dans la bonne tendance de fond. Donc, en l'analysant, tu vas pouvoir savoir corriger tout ça et pouvoir suivre ton plan de trading. Et grâce à ça, tu vois, c'est un peu un cercle vertueux. C'est qu'en corrigeant un petit point, tu vois, tu vas pouvoir tout simplement progresser. Peut-être aussi, par exemple, que tu n'investis pas aux bonnes heures. Donc, si tu investis en intraday, si tu investis dans la journée, peut-être que tu n'investis pas au bon moment pour cet actif-là. Par exemple, avec l'exemple du DAX, c'est du 9h-18h, grand max. Si tu investis dans la nuit, c'est là où il y a le moins de monde. Donc, forcément, c'est pas forcément très intéressant. C'est pas là où il va y avoir une grosse dynamique pour toi. Donc, là où tu vas pouvoir réaliser concrètement des trades gagnants. Donc, ça va augmenter le nombre de trades perdants. Et enfin, la dernière astuce, c'est concernant le stop loss. Si ton stop loss est touché, moi, je te conseille de ne pas rouvrir de position directement parce que tout simplement, tu n'as pas su comment gérer ton trade. Tu n'as pas su déterminer les bons endroits pour ouvrir ta position, pour placer ton stop loss. Et donc, ça demande de prendre du temps, de se dire « Ok, j'ai eu un trade perdant, je vais l'analyser pour savoir ce qui s'est passé. » Tu vois, vraiment, l'analyse, c'est vraiment un gros point. Et quand on regarde un peu ce graphique, on se dit « Ok, l'analyse, en fait, est partout. » En adoptant le bon mental, en suivant son plan de trading, en sachant quand sortir, quand rentrer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter le nombre de trades gagnants et tout simplement supprimer ces trades perdants ou du moins mieux les gérer. Parce que la majorité des gens, des débutants en tout cas en trading, quand ils ont un stop loss qui est touché, et peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu as envie juste après soit de rouvrir une position, mais tu ne comprends pas pourquoi tu as perdu ta position. Moi, je vois souvent les membres sur le forum privé qui disent « Voilà, j'ai perdu, je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu cette position, mon stop a été touché. » Donc, j'ai rouvert une position directement. Non. Ce qu'il faut faire, c'est clairement analyser, prendre le temps et mettre tout simplement son trade dans son journal de trading pour analyser ses pertes. Et voilà, tu vois, c'est pas si compliqué que ça de gérer un trade perdant, c'est pas si compliqué d'améliorer. Ce qu'il faut juste, c'est se poser et mettre 3-4 astuces. Là, en l'occurrence, il y en a 5, mais il pourrait y en avoir plus. Là, ce que je te partage, c'est selon moi les astuces qui sont les meilleures, celles qui vont vraiment avoir un impact sur tes résultats et qui vont te permettre de progresser. Bon, j'espère que cette vidéo t'a permis de faire le point. Il n'y a pas que des trades gagnants dans tous les cas, il y a des trades perdants. On le sait, une stratégie de trading, c'est pas à 100% gagnant, mais c'est normal. Il faut juste savoir comment gérer ces trades perdants et essayer de les réduire au maximum. Donc, je te le rappelle, essaye d'adopter un bon mental, n'agis pas par impulsivité, ne panique pas si tu fais des trades perdant, suis tout simplement en fait ton plan de trading, c'est vraiment le principal. Tu sais comment rentrer dans la bonne tendance, au bon moment, mais il faut savoir aussi quand sortir. C'est vraiment deux aspects importants pour savoir maîtriser ces trades perdants et essayer de les réduire au maximum. Donc la partie quand même importante et ce qu'il faut avoir en jeu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'analyse. L'analyse, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va te permettre tout simplement de réduire un maximum ces trades perdants et de pouvoir profiter des trades gagnants et de pouvoir, si tu es dans une phase un peu de stagnation, de repartir dans la hausse. C'est normal, c'est cette phase de stagnation qui est la plus dure et qui représente le temps le plus long chez les traders amateurs. Donc pas de panique si tu es dans cette phase-là.
prends le temps d'analyser pourquoi il y a eu des pertes, voilà, regarde ton journal de trading pour tout simplement savoir comment ne pas reproduire ce trade perdant ou ces trades perdants. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, si c'est le cas, si tu as appris des choses, si ça t'a permis tout simplement d'analyser tes trades, de comprendre quelques petites choses qui vont te permettre de progresser en bourse en trading, mets un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à partager tes questions, tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis je t'invite aussi à télécharger les 9 conseils rentables dans une série de 3 vidéos où tu peux juste cliquer là en haut à gauche. Tu vas voir juste ici, il y a un petit bouton qui va apparaître. Tu vas pouvoir tout simplement rentrer ton prénom et ton adresse email et recevoir dans les prochaines minutes, tout simplement ces 3 vidéos. Voilà, je te souhaite de bons trades. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!